Allo tout le monde, voici Champion MMCA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Oh quel criquet. Aujourd'hui c'est spécial parce que aujourd'hui je ne veux pas faire de partie. Oui, je veux faire une partie, en créer une, mais comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, un défi. Le défi livre à plume. Ouais. Pourquoi alors faire un défi? Parce que ça me tentait. Y'a rien de plus. Y'a aucune autre raison à laquelle que celle-là. Ça me tentait de faire un défi, d'en créer un. Attention. Sachez que je fais ce défi aujourd'hui. On s'entend? Mais, je vais le refaire dans peut-être quelques années. Pour voir s'il y aurait une progression. Sachez qu'il y a aussi un peu de chance là-dedans. Ça, c'est sûr. Je vais tout de suite écrire défi livre à plume. Juste avant de commencer. Ok? On est en mode survie. Il faut être en survie. On sait qu'est-ce qu'il faut pour un livre à plume. J'ai fait le test juste un peu avant pour être sûr que c'est pas trop long. Au début, j'avais pensé à une autre affaire. Mais ça aurait été long. Peut-être un jour je ferai mon autre idée que j'ai. Ma première idée que j'avais en tête. Mais commençons par ça, au moins. Puis dans quelques années, je referai ce même défi pour voir si je me suis amélioré ou non. Le défi. Sachez que. Il va falloir le faire au complet, le défi. Ce qui veut dire qu'il faut trouver tous les ingrédients, le fabriquer et le dropper. Ce qui veut dire, faut pas le faire, c'est fini. Faut le dropper pour arrêter le compteur. Du moins, il n'y aura pas de tricherie. Même si juste le faire est correct, mais juste pour mettre un peu plus de défi, là, quand même, il faut le dropper à terre. Là, commençons. Là, je n'ai pas de chronomètre avec moi. Je ne vais pas chronométrer directement. Je vais tout simplement faire un calcul. Là, attendez un peu. Là, vous êtes témoin, je vais afficher ceci. Ce qui faisait dans 4. On va compenser. Combien de secondes de compensation? 2. Oups, attends un peu. Juste. Ok, on commence dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, on y va et c'est parti. Là, il faut trouver les ingrédients. Ah, ça va donner bien. Commençons par ça. Il faut de l'encre. Allez! Hey. Parfait. On a déjà l'encre. Au moins, il y a ça de fait. Je vais me couper un arbre quand même. Il faut des poules, des vaches et de la canne à sucre. Je me donne des cochons. Poules pour la plume, vache pour le cuir, canne sucre pour bien évidemment le papier. On a déjà ça. De fait. Oui. Ah oui, c'est vrai, je me demandais pourquoi que mon skin a changé. C'est vrai, je suis hors connexion. J'ai juste besoin d'un épée. Peut-être une pioche au cas où. Au cas où qu'il faudra dormir. C'est possible de le faire en une journée. C'est très possible. Faut juste être bien chanceux aussi. Bon, trouvons de quoi. Je vais me faire
prendre les cochons. Au moins pour avoir un peu de nourriture. Faut que je trouve. Yay. Faut que je trouve du charbon. Au cas où. Ça, c'est juste au cas où le charbon. Moi, en ce moment, je ne lance aucun défi à qui que ce soit. C'est juste pour. De base. Je m'inspire de Dead Redemption un peu. Où qu'on commence un défi. Et après quelques années, on refait le même défi. Enfin, c'est une poule. Y'a rien. Pas un chat. Moi, qu'est-ce qui est bien, c'est que. En même temps qu'il faut passer la nuit, au moins. C'est pas si pire. Peut-être des moutons aussi qui seraient bien pour passer la nuit. Y'a rien! Vraiment, mon test a bien été, mais là, dans ma vidéo, par contre. Ah, mouton. Voilà. Un de plus. Voilà, j'ai mon lit. Au cas où. Que je dois dormir. Que je trouve vraiment une des. C'est ça qui va être le plus difficile. C'est trouver la vache et la poule. Je peux être à bonne place. La canne à sucre, c'est quand même relativement simple à trouver. Faut juste aller dans les cours. Suivre un cours d'eau, exemple, trouver la canne à sucre. Ça se trouve assez facilement. Mais là, je suis pas chanceux, j'ai pas de mouton. Oui, j'ai mouton. J'ai pas de poule, j'ai pas de vache. Faut que j'aille miner. Parce que j'ai faim. Je vais me faire un faux, au moins. Ah, j'ai pas de... Ah, que ça va mal! Ça va vraiment mal! Ah, j'ai une bonne chance de me reprendre complètement dans une future... dans ma reprise. Dans... je sais pas combien de temps. J'aurai en masse le temps de... Je pense que ça va être facile à battre mon record. Je trouve rien. Bon, au moins j'ai du charbon. Oh, des vaches. J'en ai juste besoin de un. Je vais aller où que les vaches. Déposer ma table de craft. Cuire à manger. Tout de suite. Aller chercher une vache, au moins. Hey. Une poule! Parfait, c'est fini. Ah non, c'est vrai, la canne à sucre! Fuck! Il manque la canne à sucre. Je vais prendre à manger. Au moins. Bon. Au moins ça. La canne à sucre.
Je vais prendre ma table de craft où que je le trouve. Manque juste la canne à sucre. Vous voyez que c'est quand même relativement facile à relever le défi. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Le plus difficile, c'est vraiment de chercher. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il me donne presque tout le restant d'un coup. Tant pis ça. J'ai l'autre charbon, mais ça c'est pas grave parce qu'il me reste juste à avoir la canne à sucre. Enfin, mes trois papiers. J'ai besoin de de canne à sucre. Pour avoir mes trois papiers. Ensuite, faire mon livre parce que j'ai pas tout. Je réalise là. Une chance c'est là, puis je suis pas le bout du monde quand je réalise. Je réalise que j'ai pas de mon il m'a pas droppé de peau. Là je l'ai. Là officiellement il manque juste 15 sucres. Ah, c'est plus long que prévu. On peut voir que le soleil est même pas encore couché. T'as veillé par contre? Mais il est pas encore couché. C'est très possible de le faire en une journée. Très possible. Faut juste trouver la canne à sucre. Mon Dieu. Pas le bout du monde pour de la canne à sucre. Dans mon test, au moins, ça, c'est la première chose, je pense, que j'ai trouvé. La canne à sucre. Mais pour ça, j'ai trouvé le restant. Assez facilement. Un cours d'eau. Il était assez profond quand même. Qu'un sucre. C'est du gazon, je veux pas du gazon, je veux de la canne à sucre. La nuit va tomber! Mon test, j'avais déjà fini lors de mon test. Ah! Quel bug! Je sais pas comment j'ai fait ça, mais. Ça a bugué. Il y a des vaches là. De toute façon, j'en ai pas besoin. Et puis j'ai pris plus mon temps avec le test. Non! Heureusement que j'ai prévu le coup. Il me faut ça et ça. J'ai 100% complètement prévu le coup. Merci. Et c'est parfait comme ça. Merci. C'est complètement long. Trouver de la simple canne à sucre. J'irai pas plus. J'ai déjà assez de bois, par hasard. Oui, j'ai assez de bois encore. Ça va peut-être aller plus vite au lieu de longer. Ouais. Une courte distance. Faut se dépêcher. On s'entend que ça va être facile à battre mon record. Le record en ce moment. Quand la prochaine fois que je vais le refaire, c'est sûr que ça va être facile à faire. C'est peut-être pas une longue distance, mais au moins je sauve du temps un peu, quand même.
Excellent. Ah. Canne à sucre. Eh, absolument, on en trouve assez facilement la canne à sucre, mais là, elle est où cette canne à sucre? Le temps de faire le défi officiellement, puis je trouve rien. Bon, oui, la pieuvre, ouais, c'est ça. Au moins, la pieuvre, je l'ai trouvée assez facilement. C'est la seule fois que je l'ai trouvée facilement. Restant, je le trouve pas. Je ferais bien une coupure, mais là, je peux pas trop de faire de coupure. Sachez que vous allez pouvoir voir le résultat. Ça sert à rien, c'est un coutume d'une extrémile ou dans l'extrémile. De toute façon, c'est le temps qui va compter. Je n'ai absolument pas arrêté le temps. Oh! La canne à sucre! Non! Il m'en manque un! Non! Il m'en manque un! Il m'en manque juste un! C'est pour ça que je suis capable de... Oui! Pfff. Parfait, je l'ai. Pot. Attention. C'est fini. Ça a pris un peu plus de 10 minutes. Mon Dieu. Ça a pris un peu plus de 10 minutes. J'ai pas le temps exact. De toute façon, là, vous allez voir le temps exact en ce moment. Là, vous le voyez. Là, en ce moment, je ne sais pas, mais vous allez le voir. Ah, le défi était plus long que prévu. Ah, sachez que je n'ai absolument pas coupé une seule fois. J'ai fait des petites coupures, mais je n'ai pas arrêté le chronomètre. Ça, c'est le temps précis dont que j'ai fait le défi. Bon, avec le blabla aussi au début. C'est faisable sûrement en 5 minutes. Je suis sûr et certain à 100% que c'est faisable en 5 minutes. Mais moi, par contre, dans mon cas, actuellement, je vais le refaire dans quelques années, là, si je m'en souviens encore. Je pense que ça va être le défi pour les 3 ans de ma chaîne, tout court. De toute façon, c'est bientôt les 3 ans de ma chaîne. Ce sera le défi pour les 3 ans de ma chaîne. Ce qui faisait, quand ça va faire 6 ans, là, je vais le refaire. Puis là, cette fois-ci, je vais donner le défi à du monde. Je vais défier du monde à faire ce défi. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et ce petit défi que j'ai créé. J'ai pas cherché si ça existe. Je m'en fous un peu. J'ai pensé ça aujourd'hui dans l'autobus. Complètement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, ça serait une bonne idée. Mais après ça, j'ai changé l'idée pour être plus simple. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis merci à tous.